Étape magique du Transsibérien, le lac Baïkal, à 4 jours de Moscou. Au cours de ses expéditions en Russie, en longeant ce lac gelé, Christian Durand en est tombé amoureux. Le lac de tous les superlatifs, le plus grand, le plus profond, à l'eau la plus pure du monde. Le Nerpa est l'un des seuls phoques d'eau douce au monde. Il est le symbole absolu du Baïkal. Dès son premier voyage, un des rêves de Christian Durand fut de le filmer de très près. D'Irkoutsk au mystérieux rocher aux chamans, par moins 30 degrés l'hiver, le film fait découvrir des personnages authentiques, russes ou français, voyageurs, écrivains, scientifiques, religieux. Le Baïkal contient 20% des réserves d'eau douce non gelée de la Terre. 23 000 km3, plus d'eau que la mer Baltique. C'est son fils, Vassili Durand, franco-russe, aujourd'hui 20 ans, qui prit le relais pour achever le film et la quête de son père.